Là les gens, ouverture de vlog dans ma chambre. Vlog numéro 29. Comment vous allez? J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je vais très bien, j'ai été courir ce matin, j'ai fait quoi? 6 bornes. Écoutez, ils avaient annoncé de la pluie, je pense que ça va finir par arriver. Je me les caille puisqu'on est redescendu, il fait 8-10 degrés. Ça n'a aucun sens pour moi, voyez-vous. Je me maquille, ensuite on va commencer à cuisiner, parce que j'ai une recette que je n'ai jamais faite. Mais je vous donne des idées comme ça, c'est une tarte aux endives curry. Je suis très curieuse de savoir comment ça peut rendre cette affaire. Donc on va cuisiner, moi je vais filmer une revue, la revue du Fibre Mood numéro 28, que je l'ai reçue hier dans ma boîte aux lettres. Je vais vous tourner ça aujourd'hui et comme ça je vous la poste dès ce soir. Bien sûr il y aura la balade du chien en espérant qu'on se tape pas la flotte. Ma seule volonté, et si j'ai le temps, attaquer la veste Molly, qui sera la 17e du nom, je crois qu'on peut le dire. Comme d'hab maintenant. J'ai un tout petit peu pris du soleil ce week-end. Calmons-nous, rien d'extraordinaire. Vous voyez, je mets pas grand-chose. Hein, de la CC crème d'Herborian, donc la CC Water, que je mets en teinte caramel. J'en applique comme une crème de jour. Hein. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Mardi, j'ai monté le vlog 28 et on s'est appelé avec Caroline pour enregistrer notre podcast audio. Voilà, faut que j'aille me laver les mains. Un peu d'anti-cerne comme d'hab, l'effaceur de Jemet. J'ai toujours pas essayé leur espèce de fond de teint là dans le même format. Je reprends un gros pinceau et on y va. Je me suis fait une réflexion. Je trouve que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Avant j'en mettais beaucoup plus que ça. Et je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais un peu reprendre cette petite tradition du rouge à lèvres. Les sourcils, ma chérie, bien sûr. Du coup, je me dis que si je me maquille les lèvres... Alors, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que je mets sur mes yeux quand je me maquille les lèvres? Normalement, je fais quelque chose d'assez léger. Hein. Je vais peut-être prendre la Naked de chez Urban Decay. Si je prends le Cayenne, là, il se passe quoi? Allez, on y va, Franco. Tant pis. C'est pas bizarre, mon affaire. Hein. Ne faites pas attention, je fais n'importe quoi. Et quelle couleur de rouge? Un rouge rouge comme ça? Alors, ça, c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et la teinte, c'est la teinte 17. J'aurais dû faire mon contour avant. Convaincue, hein. Parce qu'avec du mascara, c'est mieux. Voyez, tout simple au niveau des yeux. Et puis, j'ai mis l'accent sur la bouche. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser de mon affaire, là. Maquillage terminé. Je vous emmène en cuisine pour préparer la petite tarte salée. Après, je filme la revue. Allez, c'est parti, on est dans ma cuisine. J'allume la bête. Et puis, voyez, donc sur l'application Cocomix, toujours. Hein, la tarte fondante aux endives et au curry. Je démarre la recette. J'avais juste pesé mon beurre. Donc, 200 g de farine. 100 g de beurre. Normalement, c'est du demi-sel, mais moi, j'en ai pas. J'ai pris un gros couteau, là, quand même. Hein. Bon, après, j'ai pas de demi-sel, mais si je mets un peu de sel, est-ce que c'est pareil? 60 g d'eau. Voilà. On met le couvercle. Merci. Et ben, c'est parti. Bah. Qu'est-ce qu'il a? Oula. Alors là, par contre, si mon monsieur cuisine me lâche, j'ai plus qu'à chialer. Ah bah voilà, c'est parfait. Elle cuit. J'ai juste rajouté quelques bouts de feta sur le dessus car il m'aurait fait de la feta, voilà, qu'il fallait que je finisse. J'ai même pas goûté quand c'était dans le bol pour savoir le goût que ça a. Je me laisse la surprise totale quand ce sera cuit. Le temps que ça cuise, moi je vais tourner ma revue de presse sur le Fibre Mood numéro 28 et on se retrouve après. Ma tarte est terminée. Bon, c'est moins grillé dans la vraie vie. Il n'y a plus qu'à goûter ça. Je vous dirai si c'est bon.
J'ai hâte. Franchement, c'est super bon. Ça sent le curry comme il faut. Je vous recommande 1000 fois. On sent pas l'endive, alors que moi, personnellement, c'est pas un goût que j'aime énormément. J'adore. Je survalide. J'ai terminé de monter la vidéo de la revue Fibre Mood. Donc, c'est bon, il est 15h. Je suis en train de me faire chauffer de l'eau. Je vais me faire un petit thé. Je vais me poser 5 minutes sur le canapé avec la grosse. Qui est là, là. Oh, nounouche. Et puis après, on ira notre tour, mais à mon avis, sous la flotte. Donc je ne vais pas rester en robe, hein, bien évidemment. C'est qu'elle veut aller, elle. Je vais pas rester en robe pour aller dans les bois, on est bien d'accord. Je mettrai mon habit de lumière. Mon habit de lumière spécial promenade. Bah écoutez, on a vraiment de la chance. Mais pour notre balade avec Madame Nox, grand soleil. Grand ciel bleu. Donc on en profite. Et je pense qu'on va peut-être faire que ça pour aujourd'hui. Profiter de la balade. C'est bien ça aussi. Jeudi. Alors aujourd'hui, inutile de vous dire que c'est dur. J'ai un sweat de My Super Bison. J'ai ma veste Molly. Il fait 3 degrés dehors. Je me caille les miches. Il pleut. C'est horrible. J'aime pas du tout ce temps. Franchement, c'est affreux. Mes petites boucles d'oreilles, ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez elles en plus. C'est Bijou et Nora. Dis donc, ça fait plusieurs vlogs et j'avais dit que je reprenais. La plante du jour, vous vous souvenez ? J'ai quoi autour de moi ? Alors, je vais vous présenter un truc, c'est pas... C'est un ficus. Ficus microcarpa, donc un peu bonsaï en fait. Ça va rester comme ça, à sa taille. Ouhou, il repart de la base. Ça, c'est cool parce qu'il s'est un peu déplumé. Ça fait... Ça fait plus d'un an que je l'ai, celui-là. Et les ficus, il faut absolument qu'ils soient à l'abri des courants d'air. Sinon, ils crèvent. En tout cas, cette variété-là. Très sensible au courant d'air. Au début, il était dans ma chambre et il se déplumait complètement. Et depuis qu'il est là, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je pense que je vais le tourner pour qu'il développe aussi ses feuilles du côté-là. On se regarde avec Nox, là, depuis tout à l'heure et on se dit que... Cet après-midi, la balade, ça va être horrible. Est-ce que vous vous souvenez de ce tissu matelassé que j'avais acheté chez Tissu 14 avril, qui est dans les deux sens, comme ça et comme ça. Vous avez la bonne couleur, je n'ai rien à redire. C'est un matelassé, mais qui n'est pas aussi épais que le matelassé que j'ai là, par exemple. C'est beaucoup plus fin, parce que là, il doit avoir de la ouate. Là, vous n'en avez pas, donc ça fera une veste Molly plus légère que ça. Et mon idée, c'était de ne pas poser de biais, mais de faire un double rentrée fin. Dans ma tête, hein. Je m'étais dit que ça soulignerait le bord et que ça pourrait être joli comme ça. Ça fait plusieurs mois que j'ai ce tissu, ça fait plusieurs mois que je sais que je veux faire une veste Molly dedans et que je ne sais pas quel côté choisir. C'est très chiant. Après, je m'étais dit, est-ce que je partirais pas sur des coutures rabattues, si je sais encore les faire, et éventuellement porter la veste des deux côtés. Première étape, découper. Alors, la Molly du Fibre Mood, le numéro 13... Ça, c'était en 2021. La veste Molly, c'est vraiment une veste toute simple, comme on en a vu plein. Des vestes comme ça, franchement, en termes de patrons, il y a même des patrons gratuits. Hein. Pas obligé de faire celle-là, vous embêtez pas, c'est parce que moi, j'ai le magazine. Je l'ai vraiment rentabilisée, cette veste, je l'ai cousue pas mal de fois. Donc, il va de la taille XS à triple XL. Ah, il me faut des boutons. J'en ai jamais mis des boutons pression sur cette veste, parce qu'en fait, je la porte toujours ouverte. Je la ferme jamais. Normalement, c'est vous qui doublez la veste, mais je l'ai jamais fait comme ça non plus. J'ai toujours utilisé un tissu qui pouvait être utilisé dans les deux sens. J'ai toujours utilisé un tissu matelassé. Le tissu conseillé, j'avais jamais regardé. Molly aime les tissus tricotés ou tissés. Choisissez parmi un tulle de coton, un tissu en laine, un tissu matelassé ou quilté. Je l'ai fait en M. Il faut savoir que c'est un modèle vraiment qui taille grand, ce qui vous permet de glisser un pull épais en dessous. Le vêtement terminé en M, le tour de poitrine il est de 122 et le tour de poitrine en S il est de 114. Enfin, vraiment, c'est ample. En métrage, il vous faudra 1m25 pour la taille M de tissu. Donc, je trouve que c'est encore pas trop gourmand. Il n'y a que 4 pièces, le devant, le dos, les manches et les poches, si vous les mettez. Ça va extrêmement vite à faire. C'est incroyable comme le temps influe sur mes envies couture. Dites-moi en commentaire, vous êtes comme moi. Là, j'ai envie de retourner, ça y est, dans des trucs cocooning, de me... Vous voyez, espèce de plaid géant. Très confortable. Ah, je vous ai pas dit le niveau de difficulté. La veste Molly, 2 sur 5. Si vous la faites comme moi, toute simple, sans doubler, juste avec la pose de biais, c'est ultra accessible aux débutantes.
tissu est coupé. Il me reste du tissu, il va me rester à peu près 50 cm, un peu moins. Alors qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas, je me le mets de côté, ça peut toujours servir. Je fais le choix de faire des poches contrastantes. Donc sur le côté là, de mettre les poches de ce... Voilà, le côté le plus rose pour les poches. J'ai tracé les lignes parce que ici vous devez laisser 1,5 cm de marge pour faire le rabat. Enfin, pour faire le rentrer, disons. Alors, il parle pas du tout de surjeter, mais je me demande si je vais pas le faire quand même. Et puis, en haut, normalement, vous devez poser votre biais. Et bah moi, je vais pas le faire. Ah, j'aurais peut-être dû laisser de la marge, ma poche, elle va être un peu petite. Oh non, quelle mouille. C'est pas grave. Première chose, je suis venue surjeter le maximum de pièces. Les poches. Je voulais juste vous montrer un petit tips, si je peux me permettre. Si vous utilisez un tissu qui est un peu mou, au niveau des poches, je vais utiliser mon droit fil thermocollant. Donc je vais en mettre là et sur les côtés. Regardez, une poche bien droite, bien plaquée et que ça ne gondole pas. Cette veste, je mets deux fois, peut-être même trois fois plus de temps à la coudre parce que j'ai décidé de me compliquer la vie et pas qu'un peu, croyez-moi. J'ai avancé. Ne croyez pas que j'ai rien fait pendant tout ce temps. Je ne sais pas, je me suis amusée à faire des coutures rabattues avec deux techniques différentes en plus que je vais vous montrer après, mais je voulais essayer avant de vous montrer quoi que ce soit. Voilà ce que ça donne sur le côté là et sur le côté là. Et puis la technique que j'ai utilisée aux épaules et à la manchure, j'ai pas pu l'utiliser en dessous. Donc j'ai fait une autre technique. Je vais aller balader la Nox. Parce que j'ai besoin d'une pause. Une pause psychologique. Du coup, ça donnera une veste qui sera logiquement réversible. Voilà. On n'était pas obligé de faire ça. Mais bon, écoutez. J'avais pas quoi faire cet après-midi. Je me suis dit, tiens, si je me compliquais la vie de manière fondamentale. Voyez-vous? Alors, ça, c'est des techniques que j'ai vues. Vous savez, sur Instagram, c'est bien, vous avez plein de petites techniques maintenant. Donc voilà, je vais vous montrer deux techniques pour faire des espèces de coutures rabattues. Il y en a une, c'est la méthode officielle, et l'autre, c'est une méthode de bidouille. Alors après, c'est pareil, je me suis dit, ah, mais du coup, est-ce que je redécouperais pas des poches pour mettre aussi des poches du côté rose? Et après, je me suis dit que j'allais me calmer, que les poches, au pire, je pouvais les rajouter bien après. Mes autres versions ont été hyper rapides à monter. J'avais tout simplement assemblé à la surjeteuse. Donc oui, à l'intérieur, vous allez me dire, c'est pas ouf. Mais en même temps, c'est surtout des vestes que j'utilise pour être à la maison. Alors pourquoi je m'embête? Bah parce que je ne sais pas, le tissu est beau. Il m'a coûté quand même un peu plus cher que les tissus que j'achète d'habitude chez Dries & Stoffen. J'ai voulu changer, faire un effort. Et j'espère que je ne vais pas le regretter. La meuf qui en fait des caisses. Bon là, j'en rajoute un petit peu, j'exagère. Mais bon, moi, faire de la technique, je ne me reconnais pas. Vraiment, je trouve que Caroline, alias Betty Jane, a une mauvaise influence sur moi. Parce que elle, ce qu'elle aime, c'est la technique. Moi, j'ai horreur de ça. Et me vlatis pas à faire un peu de technique. Ah, oh, c'est dingue. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Alors, ma technique. Je ne sais pas son nom. J'ai pas été chercher. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est ce que j'utilise pour les jeans, les coutures intérieures de jeans. Je fais comme ça. Donc, c'est pas la vraie technique de la couture rabattue. Donc là, j'en suis à la couture du devant et du dos au niveau de l'épaule. Au lieu de faire comme ça, endroit sur endroit et de venir piquer, je viens superposer, si je vous rapproche, donc là je viens superposer mes deux coutures, voyez, l'une au-dessus de l'autre, comme ça, et c'est vraiment de quelques, je suis vraiment au bord, juste le surjet, et je viens tout le long, là en plus on est dans une courbe, ça va bien sur une ligne droite, comme la couture intérieure des jambes du jean, autant cette technique, dès qu'il y a de la courbe, je suis moins convaincue, voyez-vous. Ok, donc vous vous assurez bien d'avoir épinglé les deux côtés. Parce que vu que vous êtes vraiment à la limite, c'est possible que vous n'ayez pas pris l'autre côté. On va regarder vite fait. Voyez, j'ai vraiment pris les deux côtés et je suis à la limite des deux. Je vais venir piquer vraiment au milieu de mon surjet. Donc ça, c'est la première étape. C'est cousu.
Voilà, je prends comme ça là et hop, je viens basculer. Donc ça cache là votre fil de surjet et du coup ça bascule aussi en dessous. Ce qui fait que ça cache des deux côtés votre couture. Je recule, ça, je me trouve un peu proche. Tac, une petite épingle. Et on retourne pour vérifier. Il faut vraiment que vos deux côtés soient bien pris. Là, ça a sauté. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté, mais ça a sauté. Hop, et je le replaque bien comme il faut. Voilà. On va même redonner un coup de fer du côté là. Alors là, c'est particulier. C'est un tissu qui est mou. Franchement, c'est pas le plus facile. Si vous le faites sur un jean, un denim, c'est beaucoup plus simple. Et là, je retourne à la machine à coudre. Et moi, je fais deux piqûres. Donc, je vais piquer du côté là. Et après, je vais venir piquer de ce côté-là, toujours pareil, le long. Ce qui me fera deux surpiqûres. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, ce que j'ai fait pour la couture au niveau de l'épaule, je vais venir le faire ici. Au niveau de la manche, de l'emmanchure. Et c'est plus galère ici, bah parce que c'est en courbe, quoi. Donc là, c'est un peu plus chiant à faire. Donc je fais cette partie-là, et après, je vous montrerai l'autre technique pour faire le dessous de la manche et le côté. L'emmanchure est cousue. C'est pas parfait. Pareil, je vous le redis, je suis pas prof de couture. Je n'ai absolument pas créé les techniques que je vous montre. Je vous donne mes petits tips, mes petits machins. Après, des tutos de couture, vous en avez moultas sur YouTube. Si vous avez une technique que vous cherchez, vous tapez dans la barre de recherche, vous trouverez toujours. Et des gens qui sont beaucoup plus pédagogues que moi, il y en a aussi énormément. Si vous voulez tout savoir, quand j'ai commencé la couture il y a 8 ans, YouTube n'existait pas, on va dire. Enfin, YouTube existait, mais l'univers couture était très pauvre. Et moi, les techniques de couture, j'en ai apprises beaucoup. J'ai 2 livres, il y en a un deuxième qui est chez mes parents. Il faudrait que je le prenne. C'est une sorte de bible qui regroupe tout. Et alors, j'ai trouvé l'histoire de la couture rabattue. Et vous voyez, il y a tout. C'est bien et je sais que je l'ai beaucoup regardé à l'époque. Mais j'aime encore bien le format livre, me dérange pas. Alors après, je vous avouerai qu'il y a des trucs où je me dis, purée, je suis pas sûre de comprendre tout ce qu'il m'explique. Ça m'a permis, enfin, moi je sais que j'ai pas mal consulté ce livre. Les fermetures à glissière et tout ça, je sais que j'ai appris avec ce livre. J'ai des flashs qui me remontent parce que ça fait très longtemps que j'avais pas feuilleté ce bouquin. La couture rabattue, le début est le même. Donc je vais juste venir assembler. Donc là, je suis bien endroit contre endroit. Je vais venir coudre ma manche. Et au lieu de piquer à 1 cm, je vais venir piquer tout du long à 2 cm. Alors dans mon bouquin, ils écrivent 1,5. Moi je mets 2 parce que mon tissu est plus épais, donc pour faire le fameux rabat, je me suis dit que ce serait plus simple, plus d'aisance. Ça dépend de l'épaisseur de votre tissu, mais on va dire entre 1,5 et 2 cm. Donc on vient coudre, vous voyez ? Là, c'est à vous de venir couper l'un des deux bouts, ce que vous voulez. Je viens couper. Vous coupez pas les deux, hein, vous en coupez vraiment un à 0,5 de votre couture. Vous voyez ce que je fais? Donc tout du long, on vient couper. Mais si jamais vous voulez faire une couture rabattue visible, par exemple sur une chemise, il faut coudre envers sur envers parce que le rabat que vous allez faire, en fait, il va être visible quand vous allez porter votre vêtement. Je sais pas si c'est clair. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder des vrais tutos. Hein. Ensuite, donc moi c'est pour ça que j'ai fait un surjet. Je mets du surjet si vous voulez. Je fais un repli comme ça. Après, vous dépliez, donc vous êtes comme ça, et hop, vous venez là. Vous faites ça tout du long. Je vous dis tout de suite, la couture rabattue au niveau de la manche, c'est assez compliqué. C'est moi qui dis ça, je sais. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut avancer tout petit, tout petit, tout petit. Parce que vous n'avez pas d'espace pour coudre. Je préfère vous préparer psychologiquement. C'est vraiment pas le chemin le plus facile. Regardez, j'allais commencer à coudre. Je n'avais plus de fil. Mais des bobines de blanc, j'en ai toujours plusieurs d'avance. De blanc et de noir.
venu à bout. Donc du côté extérieur, vous êtes sans avoir deux coutures. Et du côté intérieur, vous n'en aurez qu'une. Ou vice-versa, ça dépend quel côté vous préférez pour la couture rabattue. Si on l'essayait, voilà ce que ça donne. Attendez, je vais t'éteindre. Donc ça, c'est le côté blanc. Les manches, je pense les porter comme ça, de toute manière. Il faudra imaginer donc le double rentré. J'ai encore du boulot parce que le double rentré, mine de rien, ça va me prendre du temps. Il donnera un petit liseré rose. Donc sur ce côté-là, ça donne ça. Et si on retourne, le côté rosé... comme ça. Et par contre, le côté rose, il n'aura pas du tout d'aspect blanc parce que le double rentré sera du côté comme ça. La couture rabattue, vous voyez, ça vous permet vraiment de porter votre vêtement dans les deux sens. Peut-être que je mettrai des poches. Franchement, j'hésite. Il faudrait que je vienne coudre exactement au même endroit que les autres. Ça peut être une idée. Vendredi. On est dans la voiture. Je sors de chez la manucure. Très jolie ce qu'elle m'a fait. J'en peux plus. Le temps là, vous pouvez pas savoir à quel point ça me déprime. Il fait gris, il fait 7 degrés, il y a un vent. Je suis fatiguée en fait, le temps me fatigue. Je suis censée finir la veste Molly et en plus pour le goûter, j'ai une ancienne collègue qui vient à la maison. En sachant qu'il est déjà 14h. Ah, vous verrez bien mon maquillage du coup dans la voiture. Ça brille de mille feux, n'est-ce pas? C'est une palette que j'avais depuis Moultas, que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Une Urban Decay, je sais même plus c'est la quoi. Il est grand temps de finir cette veste Molly. J'ai fini ma veste Molly hier, mais il était 19h, je crois. J'ai mangé vite fait, et là, une éclaircie à 19h30. J'en ai profité pour faire la balade avec Nox. On n'a pas pris la flotte. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Et quand on est rentré, il était autour de 20h30. Je m'étais réservé ma soirée pour participer au live de Vami Tissu Addict, donc Vanessa et Emily, qui ont toutes les deux un compte Instagram et qui ont créé leur boutique en ligne de tissus issus de déstockage, de prêt-à-porter ou de grandes maisons de couture. Je peux vous dire qu'elles ont la pêche. Elles ont une énergie de dingue. Et pendant ce live, il y avait des jeux en fait. Il y avait des jeux avec une roue à tourner, tout ça, toute une animation. Moi, je m'étais inscrite pour le fun. On était plus de 100 sur le live. Je sais pas combien il y avait de personnes qui étaient inscrites. Plus de 100 aussi, me semble. Le temps avance. 23h arrive et je vous le donne en 1000. Le lot avec de la double gaz, de la broderie anglaise et de la maille. Et en plus, je me dis, je ris toute seule en me disant que c'était vraiment pas un lot que je souhaitais particulièrement gagner. Et là, c'est sa fille Lia tire le coupon. Et à la tête d'Emily, je me dis, je sens que c'est pour ma gueule. Et là, elle me dit, Franny Couture, t'es encore là? Et moi, je dis, oui, oui, je suis là. Tout ça pour dire que je suis contente parce que je ne gagne jamais rien. Donc c'est la première fois, je crois, de mémoire, depuis le temps que je suis sur Instagram, que je gagne quelque chose. Et donc j'ai gagné de la double casse et de la broderie anglaise. Donc Emily m'a mise au défi de coudre les trois coupons que je vais recevoir. Et le challenge est accepté. Donc je vais devoir me réconcilier avec la double gaz. Je leur fais confiance parce que normalement, elles ont quand même une sélection de tissus. C'est des pépites. Donc c'était pour vous raconter la petite histoire de hier soir. Moi, je sors de la douche, je suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. J'ai été courir ce matin et je vais vous ramener la veste Molly terminée. Tadam ! Et voilà, le double rentré pour vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça. C'est mon premier sweat Didi que j'ai sur les épaules, aussi fibre mood. Je descends un tout petit peu la caméra. C'est très sympa. Ah oui, moi je m'étais dit que si je la portais, c'est comme mes autres versions. Je la porte un peu 7/8, on va dire, un peu plus courte. Parce que j'aime pas avoir les manches qui traînent. Avec le sweat Didi, c'est pas mal.
Donc c'est deux couleurs qui vont bien ensemble. Ah, le pantalon aussi, il est cousu main. Ginger de Closet Core Pattern. Je vous l'ai montré, je l'ai cousu lors d'un vlog. Si je le retourne, c'est quand même tout l'intérêt de cette veste. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même. Je pense que je vais la porter aujourd'hui d'ailleurs. Le côté entièrement rose. Donc là, il n'y a aucun contraste. Hein. Et puis les manches, pareil. Je trouve que le Didi, il casse le côté un peu trop classique de la veste. Qui a un côté très rétro. Hein. Alors pour l'instant, je me suis pas encore décidée à mettre des poches sur le côté rose. Parce que je m'étais dit qu'au pire des cas, j'aurais des poches intérieures. Si jamais j'ai des choses à mettre. Voilà le côté rose si vous voulez voir de plus près au niveau des coutures. Ce que ça donne. Bah écoutez, je trouve ça vachement sympa. Avec le vert amande, je trouve que les deux couleurs se mélangent super bien ensemble et ça donne un look que j'aime beaucoup. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ma petite veste Molly dans ce matelassé tissu 14 avril. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!